Bon anniversaire mon frère que j'aime. Ce sont par ces mots que Laura Smet a souhaité un joyeux 53e anniversaire à son frère David Hallyday. En story de son compte Instagram, la comédienne a partagé un cliché de son frère lorsqu'il était enfant, déguisé en indien. Une photo qui représente bien la fratrie. Les deux enfants aînés de Johnny Hallyday s'aiment depuis toujours et ont toujours été très complices. Pourtant, ils n'ont pas été élevés ensemble. On n'a pas grandi ensemble, il y a une grosse différence d'âge. Mais on a appris à se connaître et il y a encore ce lien artistique très fort qui nous lie. Avec elle, il y a de grands moments de silence, puis on se retrouve. Et on réalise à quel point la famille, les gens qu'on aime, sont importants, avait déclaré David Hallyday au sujet de sa sœur en décembre 2019 dans un entretien accordé au magazine Elle. Depuis la disparition de leur père, Johnny Hallyday, les deux artistes semblent plus unis que jamais. Si est-il ensemble qu'il affronte Laetitia Hallyday dans la bataille judiciaire pour le testament de l'idole des jeunes. Un combat qu'ils mènent main dans la main, mais qui ne les empêche pas de continuer à rendre hommage à celui qui leur a tant donné. Le 15 juin, alors que Johnny Hallyday aurait dû fêter ses 76 ans, Laura Smet a partagé une photo d'elle et son frère regardant vers la mer avec comme légende, 15 juin. On t'aime. Une photo sur laquelle la fille de Nathalie Baye est habillée avec une robe de mariée. Quand David Hallyday accompagnait sa sœur jusqu'à l'hôtel, Laura Smet a dit oui à Raphaël Lancret-Javal le samedi 15 juin 2019. C'était David Hallyday qui avait annoncé l'heureux événement la veille sur son compte Instagram. En grand frère aimant et protecteur, si est-il tout naturellement qu'il a accepté d'accompagner sa sœur jusqu'à l'hôtel. Une belle preuve d'amour. Loading widget.